J'imagine deux personnages. Le premier pourrait être un chef d'orchestre contemporain, disons viennois. Son répertoire serait assez vaste, de Monteverdi à Schoenberg, mais il se refuserait obstinément à aller plus loin. Il ne pourrait s'empêcher de penser que la musique qui l'intéresse, et qui, pour lui, est la musique, est morte. Qu'elle s'est achevée, par exemple, avec le trio à cordes que Schoenberg écrivit en 1946, ou les 4 derniers lieder de Richard Strauss, qui datent de 1948. Ce pourrait être, justement, la période où il est né. Ce paradoxe le ferait sourire. La musique ultérieure, donc, lui serait étrangère, il la comprendrait, mais n'épuiserait aucun plaisir, n'aurait pas envie de la jouer. En bref, il aurait plutôt tendance à se sentir dépositaire d'une culture, d'une tradition magnifique et révolue, dans une ville elle-même vouée à la tradition. Il ne participerait pas pour autant à l'engouement pour les interprétations à l'ancienne, volonté de restituer les sonorités et le style de jeu du temps où les œuvres ont été composées. Il lui paraîtrait au contraire très important de faire sentir la continuité qui existe, selon lui, entre Monteverdi et Berg, entre Gesualdo et Webern, entre Bach et Schoenberg, cette continuité qui lui semble s'être définitivement interrompue. Il ne vivrait pas forcément cela très bien. Il aurait par exemple une relation très ambiguë d'amour et de haine envers Vienne, cette ville figée, déchue, vestige d'un empire évanoui. Il se considérerait secrètement parfois, non sans amertume, comme une sorte de gardien de musée. L'autre personnage, ce serait une femme, une artiste américaine, du même âge. Elle aurait quant à elle participé à tous les mouvements d'avant-garde depuis une quinzaine d'années, à leur frénésie expérimentale, à leur fièvre d'invention, de rupture, à leurs audaces, et se serait fait une certaine réputation à New York, dans le registre de la performance, cet art hybride, à la jonction du théâtre, du chant, de la danse, des arts visuels. Elle chanterait des sortes de mélopées répétitives, intégrerait à ses spectacles des mouvements de danse minimale, des installations vidéo. Peu à peu, elle se sentirait envahie par un sentiment d'impasse. Prise dans l'accélération systématique de l'art américain contemporain, dans sa façon d'exiger une avant-garde nouvelle tous les 3 ou 4 ans, sa mythologie du progrès continu, elle ne saurait plus très bien comment renouveler son art. Elle traverserait une crise, elle serait d'instinct réfractaire aux nouvelles tendances,